Oh, j'abîmais toutes les fleurs. Qu'est-ce que je vais manger? Je saurai maintenant qu'il faut faire une réserve de miel pour les jours où il fait mauvais. En cette saison, c'est souvent ce qui arrive. Il n'y a pas la moindre chance de trouver une goutte de miel aujourd'hui et j'ai faim. Monsieur l'officier! Monsieur l'officier! Monsieur l'officier! Monsieur l'officier! Gauche 2, 3, 4! Gauche 2, 3, 4! Gauche! Monsieur l'officier! Monsieur l'officier! Où êtes-vous? Bah, pourquoi tu hurles comme ça? Oh, ici notre amie Maya. Oh, excuse-moi, je t'avais pas vue. Et... Bah, tu as l'air d'être dans tous tes états. Qu'est-ce qui t'arrive? Ah ben, et comment je le suis? Tu te rends compte? Oh mon Dieu, je peux pas? C'est top secret. Ah oui? Service, service. C'est pour ça que je peux rien te dire cette fois. Mais par contre, je dois prévenir mon officier. Monsieur l'officier! Monsieur l'officier! Monsieur l'officier! J'ai fait une très importante découverte. Quoi? Tu es sûr de ça? Absolument sûr et certain. Avez-vous entendu? À vos ordres! Aucune importance, en avant, marche! Ne pas léger, nous avançons vers la gloire et les combats! Car l'ennemi nous guette partout, qu'il soit homme ou bien tout doux! Nous sommes fourmis, c'est notre honneur, nous sommes honnêtes et travailleurs! Go, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Puisqu'on ne veut rien dire, je vais le suivre. Très bon, un oisillon. Ça serait évidemment très intéressant. Nous aurions de quoi manger pendant au moins 6 mois. Et de la chair fraîche en plus. Il n'a que quelques jours ce petit. Mais il est peut-être déjà dangereux. Tu sais que les oiseaux nous mangent volontiers. Vous me permettez une suggestion? L'oiseau d'or, si nous l'attaquons avec des forces suffisantes, nous l'aurons. Est-ce que vous imaginez un peu la gloire que vous apportera un pareil exploit sans précédent chez les fourmis? Ça, je dois le reconnaître, c'est tentant, extrêmement tentant. À vos ordres, alors on attaque? Alors à l'assaut de l'oisillon, soldats à l'attaque! Ça alors, un oisillon! Mais tu es grand, toi. Ça va? Maman, maman, maman. Oh! Maman? Maman, maman, maman. Ah! Ma petite et maman, même ce petit, maman, il m'appelle maman. Maman. Oh! Eh bien, Mélascar, vous avez vu l'abeille Maya? Elle a capturé l'oisillon à elle toute seule. Ce n'est pas juste. L'oiseau nous appartient quand même. C'est moi qui l'ai découvert et pas Maya. Oui, bien sûr. Cet oiseau nous appartient à nous, les fourmis. Et Maya n'a pas le droit de nous le prendre. Eh bien, je vais aller la trouver. Je lui réclamerai l'oisillon. T'as raison, c'est ça. Vas-y. C'est moi qui vais le faire. Et tout de suite, même si Maya n'en a pas peur, pas de raison que j'en ai peur, moi. Attendez-moi ici. Lâchez votre lance, monsieur l'officier. Vous faites peur au petit oisillon. Sois tranquille. Ils ne peuvent rien te faire. Je suis là, moi. Et je ne te laisserai pas toucher. Hein. Maman, 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 maman. Il se croit tout permis parce qu'il a une lance. Mais oubliez, j'ai un dard. Partez, monsieur l'officier. Vous voyez bien qu'il a peur de vous. Vais-je vous poser une question, mademoiselle Maya, l'oisillon qui est là? Oui. Qu'est-ce que vous allez en faire? Question parfaitement idiote. Je vais tout simplement l'élever. L'élever? L'élever? Bah, et croire que je suis sa maman. Je fais ce que maman doit faire pour son enfant. Je crois que la petite Maya déraille. En tout cas, nous n'allons pas nous mêler de cette affaire. Compris? D'ailleurs, nous n'avons pas le temps d'élever un oiseau, nous. Maman, eh bien, dans ce cas, tout va bien. Il a fallu que cette petite chipie d'abeille fasse échouer notre projet. C'est vraiment dommage. Ce n'est pas la première fois qu'elle nous fait des ennuis. Il faudrait s'en occuper, colonel. Moi qui imaginais déjà notre retour triomphant. À votre place, je n'aurais pas capitulé aussi facilement devant elle. De toute façon, elle n'arrivera jamais à élever cet oisillon. Il nous suffira d'attendre patiemment. Hein? Pas bête ce que tu dis là. Je pense bien que c'est pas bête. Pour le moment, faisons semblant de fermer les yeux, mais soyons vigilants.
Monte sur mon dos. Maman, maman. J'y arriverai jamais. Maman, fin, fin. Fais dodo, colle à mon petit frère. Fais dodo, t'auras des bons miels. Maman est en haut, qui tire les rideaux. Papa est en bas, qui fait du bon miel. Fais dodo, colle à mon petit... Oh, ça y est, je sais comment je vais l'appeler. Harold. Je trouve que Harold, c'est un très joli prénom et qu'il lui ira parfaitement bien. Fais dodo, Harold, mon petit frère. Fais dodo. Oh, il s'est endormi. Oh, is. Qu'est-ce qu'il est lourd. Bah, il faudrait que je trouve une couverture maintenant, parce qu'il va avoir froid. Bouge pas, Harold, je vais essayer de trouver quelque chose pour te protéger. Pas réussi à trouver de couverture, mais cette feuille d'érable devrait faire notre affaire. Maya! Je suis là. Viens ici, Willy. Je te cherche partout depuis un bon moment. Enfin, où t'étais passé? Et puis, qu'est-ce que tu fabriques là? Eh ben, je fais un berceau. Tu fais un berceau? Oui, et aide-moi plutôt à ramasser des feuilles. Je veux bien t'aider, mais je me demande ce que ça cache. Ce que ça cache? Ça cache Harold. Harold? Maya m'a trouvé un remplaçant. Elle n'aime plus son copain Willy. Qui c'est, cet Harold, Maya? Chut, pas si fort, tu vas le réveiller. Harold par-ci, Harold par-là, il n'y en a plus pour cet Harold. Tu comprends rien. Je suis mère maintenant. Et Harold est mon enfant. Et plaf, c'est de mieux en mieux. Alors ça, et où est-il cet enfant? Hein? Tu vas pas me dire que c'est cette sauce sous les feuilles? Hein? Ou bien suis fou ou de rêve, hein? C'est un oiseau, son cher Harold. Tout ce qu'il y a de plus oiseau. Bien sûr, tu trouves pas qu'il est mignon? Écoute-moi, ce n'est pas la première fois que tu te conduis d'une façon complètement dingue. Seulement cette fois-ci, ça dépasse tout ce que je pouvais imaginer. Ah, c'est pas tout, je vais l'élever. Eh? Alors là, vraiment, tu dépasses les bornes. T'oublies simplement que les oiseaux nous bouffent. Qu'est-ce que tu crois qu'il se passera quand il aura faim? Eh ben, il nous mangera, et toi la première. Ah tiens, j'avais pas du tout pensé à ça. Il faudra bien le nourrir pour que ça ne lui vienne même pas à l'esprit. Attends-moi, je reviens. Je vais vite lui préparer des boulettes de pollen. Oh mon Dieu, pourvu qu'il ne se réveille pas avant son retour. Mon Dieu. Maman, 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 maman. Oh, je suis pas ta maman, je suis même pas un parent à toi, maman, je suis pas comestible. Maman, maman, maman. Quel trouillard ce Willy. Et pour pas lui en vouloir, Harold. Oui, c'est bien, ouvre ton bec. Bien. Je veux t'en chercher d'autres, comme ça tu deviendras grand et fort. Maintenant il va ouvrir son bec en grand et hop, Maya, Maya, je t'en prie, arrête toutes ces bêtises. Tu connais le proverbe, oui? Tant va l'abeille à l'oiseau qu'à la fin il la mange.
Tu ne peux pas imaginer à quel point il est gourmand ce mignon petit chou. Et ne crois pas qu'il mange le même pollen tous les jours. Ah, il faut à chaque repas lui changer son menu à ce petit cœur. Parce qu'en plus, il est difficile. Maya, je vois que tu m'écoutes. Top léger, nous avançons vers la gloire et les combats, car l'ennemi nous guette partout. Halt! Nous volons l'oiseau! Qu'est-ce qui se passe? Rends l'oiseau immédiatement! Immédiatement! Oh. Je vois avec plaisir que l'oiseau est mort! J'avais raison, c'est bien ce que je vous avais dit, monsieur le colonel! Pour une fois, tu avais raison. On va pouvoir l'emmener à la fourmilière et je serai décoré! Entrez dans le creux de l'arbre et sortez-le en avant pour la maison! 100, mon Harold. Regarde, je t'apporte de bonnes boulettes de pollen des campanules bleues. Crois-moi, c'est bien meilleur à manger que l'officier des fourmis. Oh, je suis sauvé. Mes chers fourmis, voilà, n'est-ce pas? Je vous présente mes excuses pour les espiègleries de mon enfant. Vous appelez ça des espiègleries alors que c'est tout juste s'il ne m'a pas dévoré tout cru. Quant à toi, tu as prétendu qu'il ne grandirait pas et tu as vu le monstre que c'est devenu, espèce de... Je suis désolée, je me suis trompée, monsieur l'officier. Oh, comment j'ai pu faire confiance à un pareil abruti, à un pareil demeuré, cet idiot, de qui je vais te manger parce que c'est un malheur. Il y a un vieux proverbe abeille qui dit « Une abeille qui élève un oiseau, elle est celui qui va creuser son tombeau. » C'est un proverbe qui est très sage. Hé, réveille-toi, mon vieux slip! Il est arrivé quelque chose ou quoi? C'est encore pire! Oh, c'est toi, Willy? Qu'est-ce qu'il y a? La forêt en feu? C'est encore pire! C'est la cervelle de la pauvre Maya qui éclate! Elle a toujours été un peu zinzin, maintenant ça devient grave! Oh, ça m'intéresse pas! Tu vas tout de même pas te recousser et dormir tranquillement pendant que Maya élève un oiseau? Un oiseau? Il peut donc pas s'élever tout seul? Elle lui a même donné un nom à cette sale bête. C'est Harold qui s'appelle. Harold, tiens. Oh, tu vas quand même pas la laisser continuer cette folie. Un jour, Harold ouvrira grand son bec et adieu, Maya. C'est possible. Hein? Non, mais dis donc, t'as pas l'air de me prendre très au sérieux. Ma parole, il continue tranquillement à ronfler. Très bien, mon petit. Encore une fois, Harold. Allez, allez, une fois. Plus haut, plus haut. Battre toujours des ailes. Tu vois, ça va déjà mieux. Et maintenant, on va voler. Mon pauvre petit, tu te fais mal. Bobo Harold. Mon ami Willy, qui connaît un tas de proverbes, dirait « On n'a rien sans peine ». Allez, viens, on remonte sur la piste d'envol. Courage. Oui. Allez, encore un petit effort, ça va très bien se passer. Tu sais, tu n'apprends pas plus rapidement que ça à voler, tu vas me faire maigrir. Il faut que tu battes des ailes plus vite, enfin. Regarde, comme maman. Continue, sinon tu vas retomber et tu vas te faire mal. T'en faire mal à ton petit cucu. Il y a du progrès, cette fois t'es tombé sur le ventre et pas sur les fesses. Une petite question, est-ce que je vais rester longtemps là à te regarder ronfler comme une souche?
C'est vraiment la fin de tout cette fois. Réveille-toi, Flip, réveille-toi. C'est Maya avec son horrible enfant oiseau qui arrive. Non, non, moi je veux continuer après à dormir. Après tout, ça te regarde. Oh. Moi je m'en vais parce que je veux pas voir une sauterelle se faire dévorer comme par un oiseau. Veux. Salut. Ça, laisse-moi donc dormir. Enfin, arrête. Tu sais que je suis chatouilleux. Ah, oh, tu commences à m'embêter. Oh. Bah. Oh, un oiseau. Un oiseau, Willy avait raison. Au secours, un oiseau. Oiseau. Non. Ouvre ton bec. Mmh. Allez, allez. Non. Ah. Ouvre ton bec. Oh. Attends, Harold, attends un peu ta maman. Je peux pas te suivre, ne va pas si vite. Je savais comment lui faire comprendre à cette pauvre inconsciente. Où es-tu? Ça y est, fallait que ça arrive. Ça doit être affreux, mais il faut que je voie quand même. Et elle ronfle. Et ça, au revoir. Va-t'en et au plaisir de ne jamais te revoir, Harold. Bye bye. Nos histoires sont toujours drôles, passionnantes aussi, en somme de quoi rire et frémir à la fois, parfois s'attendrir et quelquefois pleurer. Mais le prochain épisode, alors, ça va être de la pure folie. Maya va tout simplement devenir géante. Comment? Pourquoi? Oh, vous ne vous imaginez tout de même pas que je vais vous le raconter maintenant.